Je suis la chef réceptionniste de la clinique du Petit Gland. Mon surnom c'est la castratrice, entre nous pas devant les clients. Moi je ne fais pas dans l'esthétique, ni la beauté, ni l'ornement. J'appelle ça du service public, avec ou sans consentement. J'ai une méthode sans sévice, je commence bien tendrement. Comme une mère parle à un fils, un petit voyou à sa maman. Les gros, les durs ou les shérifs, tous m'ouvrent grand leur cœur d'enfant. C'est là que j'étrangle les pendentifs et je finis avec les dents. Croyez-vous qu'ils réagissent s'ils protestent, c'est mollement. Si parfois une larme glisse, alors je gronde, je fais pampan. Et très vite, ils me chérissent. Pour eux, c'est un soulagement de vivre sans ces appendices qui ne causent que des désagréments. Souvent un usage excessif ou un emploi insuffisant les rend confus ou agressifs, quand dans le fond ils sont charmants. Et leur secret, ce qu'ils ne disent, c'est que ces joyaux sont bien pesants. Ils les tourmentent, ils les épuisent, qu'ils soient plombiers ou présidents. Fini les bagarres, les crises, les fièvres, les énervements. Adieu les cris, les tu me les brises, ils ne sont qu'amour maintenant. Ils font du yoga, ils méditent, ils filent doux, ils sont galants. Leurs ardeurs s'en trouvent réduites, c'est le seul petit inconvénient. Et moi, avec leurs marchandises que je conserve soigneusement, je les sèche, les pulvérise, j'en fais des cachets que je revends. À la salle de gymnastique, 10 euros la boîte de sang, les résultats sont fantastiques, surtout sur mes anciens patients. Pour faire une bonne castratrice, il faut de l'amour, il faut du temps, un petit côté bienfaitrice, de la douceur et du mordant. Chez nous c'est de mère en fille, comme disait papa gentiment, les bijoux sont dans la famille, et je fais confiance à maman.